Projet Combit là, c'est un projet de USAID qui c'est Papyrus SA qui gagne. Papyrus c'est une compagnie haïtienne. C'est la première fois que une compagnie haïtienne gagne un projet USAID comme principal. Et Projet Combit là, c'est un effort collectif que lié pour créer des systèmes dans institutions, organisations d'un pays pour gagner plus de développement économique. Parce que vous avez remarqué bien que il y a pile institutions, organisations ou bien même compagnies privées qui travaillent très bien, offrent de très bons services, mais où retirer un monde dans organisation et puis organisation pas qu'à marcher bien. Ça c'est parce que la cause c'est parce que pas un système organisationnel en général dans pays et c'est ça n'a pas essayé changer avec projet ça. Projet Combit c'est on vient pour but renforcement de capacité de organisation qui c'est des fournisseurs de services dans pays. On a développé une plateforme sur web là qui pourrait permettre compagnie ça yo exposer services qui pourrait permettre client venir contacter compagnie ça yo directement à travers plateforme là. Nous pourrait faire tout rendre possible que le appel d'offres qui sorti, nous pas essayer centraliser tout appel d'offres sur même site là comme ça. On n'a pas besoin de chercher dans 12 sites différents, aller dans le journal, aller les gens, chercher côté un contrat. Parce qu'on a fait partenariat avec tout le monde, encore une fois, on a renforcé nos projets qui se Combit. Parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons fait Combit, mais les bailleurs de fonds ont fait Combit là-dedans. On a invité le gouvernement haïtien à faire Combit, on a invité le secteur privé, la diaspora et la communauté philanthropique là. Pour tout le monde, il y a cherché une compagnie qui peut exécuter un contrat qui a joué et même un monde qui a offert service qui a joué un contrat. Parce que nous venons remarquer que il y a une pile de difficultés à joindre information et possibilité de collaboration dans le pays. Donc c'est ça qu'on a essayé de résoudre à travers la plateforme. Ça. Nous venons remarquer qu'il y a un pile de projets similaires et que qui viennent suspendre après deux ans, mais après fin projet. Et ça, nous ne pouvons pas voulu que ça arrive. Donc, plateforme ça, nous avons commencé à réfléchir à un plan d'affaires pour que plateforme ça puisse survivre au projet. Pour que le service que plateforme ça offre puisse continuer à grandir et offrir information avec possibilité de partage d'informations. Parce que les gens qui peuvent utiliser la plateforme là, peuvent partager l'information. Ils peuvent poster des meilleures façons de faire. De, si, disons, il y a des organisations qui travaillent avec des agriculteurs dans le nord. Tandis que il y a un autre qui travaille dans le sud. Vous avez remarqué que travailler avec un agriculteur dans le nord est très différent que un monde dans le sud. Donc vous pouvez partager information et que vous gagnez d'après expérience pour l'autre monde qui vient apprendre. Donc moi je n'ai fait un partenariat avec l'université comme ça qu'il y a un échange entre université comme ça recherche que mon a fait dans l'université avec des compagnies qui groupe croissance qui vient partager recherche ça parce que on le problème qui gagne c'est accès à l'information. Nous remarquons que si on a fait des recherches en ligne pour des informations très spécifiques et mises à jour sur le pays, c'est très difficile, presque impossible. Nous avons aimé résoudre le problème ça. Et la façon que nous pensons que nous allons résoudre, ce n'est pas nous-mêmes qui mettons des informations, mais c'est les partenaires qui ont créé page et qui ont partagé l'information ça, qui ont mis plus d'informations. Comme ça, nous avons vraiment une masse d'informations qui ont enrichi les recherches dans le pays. Gain production dans le pays. Projet Combit a travaillé avec compagnies qui sont des fournisseurs de services pour renforcer la capacité de produire plus de services et de, pour avoir de meilleurs services. Donc, ça veut dire qu'on a renforcé la capacité de production dans le pays. Ensuite, on a une distribution. Distribution, pour gagner une distribution, il faut une communication et il faut une infrastructure de communication. Plateforme que tu as parlé, qui est Réseau Innovateur de Développement, lui-même, il permet à mon jeune beaucoup plus marcher dans une géographie beaucoup plus large et qu'on a vu permettre la diaspora à investir dans le pays parce qu'il a accès à l'information et accès à des gens qui ont exécuté des bagages pour eux. Donc, la plateforme vient développer la distribution. Et finalement, tout ça a créé un développement économique qui peut rendre possible pour gagner plus de transactions financières avec toutes nouvelles technologies que nous allons apprendre dans une journée FinTech.